À la bonne. Signalez votre présence si vous me voyez. Merci beaucoup. Je veux voir les coucous. Merci, je vous vois en ligne. Ok. Merci pour les cœurs. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Bon. Neoli London. Bon. Voilà, je vois mon monde là. Mon beau monde est là. Merci beaucoup, merci, merci. Aujourd'hui, il fait beau à Montréal, 19 degrés avec du soleil. Ça mérite un direct en pleine cour. Ouais, pourquoi s'enfermer dans la maison alors qu'on a une grande cour, alors qu'on a de l'espace, alors qu'on vit dans un environnement propre, sain, coquet. Allô, vous comprenez? Ah oui, ah oui, ah oui. Merci beaucoup, Lydie Okema. Merci. Il fait beau temps au Canada. Oui, 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 oui. Toujours le Canada. Ah oui, ah oui, ah oui. Oh, oh my God. Ils sont tous là, je vous vois. Oh là là, oh là là, oh là là. Comment vous allez? Aujourd'hui, je prends un rosé dans ma cour. Ouais, oh, je vois déjà des fleurs, je vois des cœurs, tout ça. Olga Lamé, comment vous allez? Bonne fête des mères, oui, oui. Oh là là, oh là là. Bertine Payet, comment ça va? Ah oui, 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 il fait trop beau chez moi. Un beau cadre de vie. Angela Koufor, comment tu vas? Ah oui, 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 oui. Profitez du beau temps. Profitez du beau temps. Ah oui, oui, vive le Canada, merci beaucoup. Le pays où coule le lait et le miel, là. Le pays où les immigrants sont heureux. Le pays où les immigrants ont de l'espace. Vous comprenez? Le pays où les immigrants ne sont pas coincés dans les maisons. Il y a de l'espace. On prend nos maisons, on fait de ça ce qu'on veut. Voilà. Le pays où les immigrants ont le choix, voyez-vous. Maman en Canada, premier pays au monde. Merci beaucoup pour les 50 étoiles. Je vois que vous êtes mes impactés très, très fort. Et puis, vous m'appréciez dans ma gamme. Oh, Amonia, regardez les beaux messages comme ça. Ah, là, 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 là. Oh, là, là, merci beaucoup, merci. Je suis allée faire les courses, j'ai fait le gros ménage ce matin. J'ai accompagné Wendy chez sa coiffeuse. La vie, la belle vie de famille. Voilà, c'est ça. Oh là là, tant d'émotions. Bonne fête des mères. Oh, Larissa Dallo, merci beaucoup. Bonne fête des mères à toutes les mères, oui. À toutes les femmes du monde. Je vous souhaite une bonne fête des mères. Vous comprenez? Oh, Canada, oh yeah. C'est ça qui est là. Est-ce que ça chauffe? Ça chauffe pas? Ça va chauffer où? Ça chauffe pas? Ah. Aujourd'hui, je bois ce petit rosé-là en la mémoire de ma maman Lolo. Vous savez, j'ai une très grande maman Lolo Nizako, Laurence Nizako. Ça, c'est une de mes grandes mamans. Elle réside à Paris. Une dame qui a vécu au Canada, qui connaît 16 États aux États-Unis. Voici des gens, quand ils rentrent dans ta vie, tu n'as aucun regret. J'ai dit que 16 États, elle connaît aux États. C'est elle qui m'a donné le goût des voyages. Elle dit, Momo, tu es venue au Canada, là, il faut voyager. Voyage. Quand tu vas voyager là, ça dit tu prends de la hauteur sur les autres. Ne vis pas coincé. C'est avec maman Lolo et puis ma copine Lucita, ma voisine. Elle aimait bien ce petit vin là, ce rosé, ce petit galop là. Elle aimait bien ça. Donc quand je veux me la jouer là, quand je veux me la jouer, quand il fait beau, je prends mon petit rosé, ce petit galop là, à la mémoire de maman Lolo. Maman Lolo, je t'aime. Ton passage dans ma vie a été quelque chose de positif. Il y a des gens que tu connais dans la vie et puis tu te dis Dieu merci. Et puis il y a certaines personnes aussi, quand tu les rencontres dans ta vie, tu te dis mon Dieu, pourquoi tu avais mis le Satan sur ma route? Mais tout ça, c'est la vie.
Mes amis, en cette journée de fête des mères, oui, c'est ça. C'est la fête des mères aujourd'hui. Mais il faut qu'on honore les mamans. Il faut qu'on aussi on honore, oui, parce que parfois les Africains ont fait beaucoup d'amalgames. Il y a des mères qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont perdu des enfants. Donc vous pouvez imaginer ces enfants qui auraient pu faire d'elles des mères. Mais dans la. Larissa, c'est ça qu'elle a. Elle, ça chauffe pas. Des enfants pour lesquels on t'appelle maman dans une société. Elles ont perdu ces enfants-là. Aujourd'hui, en cette fête des mères-là, il faut penser à ces mères-là. Il faut penser. Elles ont perdu parfois même des enfants qui étaient leurs piliers. Des enfants même pour lesquels on les considérait dans leur société. Elles ont perdu ces enfants-là. Et puis très souvent, quand elles perdent ces enfants-là, elles vivent encore longtemps dans la souffrance, tout et tout. Parce que imagine-toi, quand tu as perdu ton enfant qui allait prendre soin de toi, et puis demain, tu restes comme ça. Je pense aujourd'hui à ces mères-là. Vous pouvez imaginer, on avait un grand artiste de chez nous, Ernesto Djedje. Ce monsieur-là, il est décédé, mais sa mère vivait. Donc vous pouvez imaginer comment cette mère-là s'est sentie toute sa vie. Cet enfant qui lui donnait tout. On prend encore un de nos ministres, anciens ministres, feu, comment on appelle ça, Boga Doudou. Il était décédé, mais sa mère vivait. Donc imaginez-vous comment cette mère-là a vécu dans cette misère morale-là. Et puis elle a perdu ce fils-là. Respectons aussi les mères qui ont enfanté, mais peut-être que dont les enfants ne sont pas restés. Elles sont aussi des mères à part entière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous chanter une chanson de ma tradition. À la mémoire de toutes ces femmes-là. Aujourd'hui, en cette fête des mères qui pensent à leurs enfants. On a un artiste qu'on appelle Papa Justin Stanislas. C'est lui qui avait chanté ça quand j'étais jeune. Vous savez, j'aime mon dialecte. C'est un petit pique-nique qu'on fait. On n'a qu'à pique-niquer. On rit, on va parler. Parce qu'on va parler de Yves Dero après. Bon. Doukwe. Djedje Doukwe. Anamane Abeyo. Yeah. Mouni Niala Mouni Pua. Mouni Gibe Gemu Pua Yo. Yukre Gbobo Kanyo Dakuri. Djedje Nena Gbagba Veri Mounou. Wanwa waye urukra Brumo drukuri nya yo Vibra Gege vibra Vibra Dodo paro vibra Angrena ma diye gulokuba On wa tete geye zidokba bremune Waye kuru le ye guru ye sege brene Amo tuara ya o musokuro Abi adoro geke yu gane nyon kayere Ira ye wa kwa da gwe 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 yo La le dudu e la bri Ira ye gira sa bri yo Loro nyon mre la bri alele Ira ye gira sa bri yo Dukure Gigi dukure Ana mani abe yo Yeah Mune nye la mune pua Mune gibe gme pua yo Yukure gbogbo kanyo da kuri Gigi nena gbogba veri munu Wana waye urukra Brumo drukuri ne yo vibra gigi vibra a vibra dodo polo vibra a vibra wogi pedro vibra oh à toutes les mamans qui ont perdu un enfant cher en cette fête là c'est ça c'est votre chanson que j'ai chantée restez forte tu as accouché c'est Dieu qui a voulu et puis il a pris. Parce que dans la société africaine, même quand tu as accouché, et puis c'est pas resté là, on dit que tu es stérile. Alors que tu as accouché. Donc c'est votre chanson que j'ai chantée. Ayako, à cette fête-là. Vous aussi qui viviez, prenez soin de vos mamans. N'attendez pas à faire des mères seulement. Pour prendre soin de vos mères. Prenez soin des mères à chaque jour. Donnez-leur de l'amour. Donnez de l'amour autour de vous. Voilà. Dans ce lot aussi, j'ai reçu un message d'une impactée que je ne vais pas lire. Parce que déjà, quand j'ai reçu son message, le titre de son message, je n'ai pas aimé. L'impacteuse, ma belle-mère, est une sorcière. C'est pour ça que j'ai mis le titre là. Je n'ai pas aimé déjà même le titre. J'avais même voulu même ignorer. Après, j'ai dit non, comme c'est la fête des mères qui vient, j'ai profité de ça. J'ai lui posé un peu de questions. Je l'ai rejoint, elle était contente, on a parlé. Elle m'a expliqué, bref, le quotidien qu'on vit avec les belles-mères. Avec les belles-sœurs aussi, parce que ce qu'elle m'a dit,
ses belles, ça dit que ses belles sœurs sont en contact avec l'ex de son mari. Ça fait 9 ans qu'elle est son mari. Elle m'a expliqué, elle m'a tout expliqué. Mais il y a des femmes aujourd'hui, là, on a qu'à se dire la vérité. Une belle-mère, j'ai déjà dit dans une vidéo, on négocie le virage avec la belle-mère. La belle-mère, là, tu dois négocier avec elle. C'est la même chose que je lui ai dit. C'est pour ça qu'elle a dit son message, je ne vais pas le lire. Parce que j'ai trouvé le message, ça dit, est trop intense. Il y avait trop de choses dedans. J'ai dit, mais toi, tu viens m'expliquer la situation que tu vis. Mais tu n'as pas besoin de me dire que ta belle-mère est sorcière. Tu as retrouvé ta belle-mère dans quelle confrérie? Vous voulez vous marier, là? Retournez dans la tradition. Allez dans la tradition aussi. On prend un peu dedans, on va aller puiser dedans. Où on nous a dit, il faut respecter la belle-mère. Il a dit qu'il y a nos propres mamans qui nous ont accouchés, qui ont un comportement plus difficile que des belles-mères. Mais on deal avec nos mamans. Quand c'est nos mamans, elles sont compliquées là, on deal avec elles. Mais la maman de l'homme que tu as marié, mais tu as dealé avec. Si tu n'es pas capable de dealer avec ta belle-mère, ah oui, tu n'es pas capable de dealer avec elle, ma chérie, le mariage va être difficile. Parce que vous mariez les hommes, vous voulez que les hommes fassent des choix entre leur maman et vous. On n'est pas dans cette logique-là. Tu maries un homme-là, tu fais doucement, doucement. Parce que toi-même, ta maman va être compliquée. Ta maman est une kamikaze. Il y a nos mamans qui sont des Kadhafi dans les familles. Mais on gère nos mamans. Vous comprenez? J'ai dit que c'est les belles-sœurs. Ça dit une belle-sœur, tu dois aller dans une limite. Mais la belle-mère-là, c'est à toi d'aller t'accroupir. Parce que moi, je prends toujours mon exemple. Quand j'ai connu mon mari, on m'a dit, ma belle-mère, là, elle est terrible. C'est ce qu'on m'a dit. Il a dit, bon, comme elle est terrible, là, elle va venir à le feu, moi, elle est venue à l'eau. Aussi clair que ça. Jusqu'à Jésus m'a dit, j'ai fait 3 mois avec elle, tranquille. Il a dit, mais celle-là, on a dit, elle était compliquée, là. Elle faisait son bella. Mais quand vous mariez les hommes, vous faites le bella des hommes, au début, là. Hein, on se plie en 10 pour marier, pour le mariage. Maintenant, quand on a fini de marier, maintenant, là tu deviens gangabat dans la maison. Ça ne marche pas. Moi, je ne suis pas pour qu'on se mette en bras de fer avec la belle-mère. Une belle-mère mérite respect autant que la mère. Ça dit, ta belle-mère, voilà toujours comme une mère. Compliquée, pas. Ça dit, si tu vois que le manque de respect est trop, si tu peux éviter, tu évites. Mais on ne peut pas traiter une belle-mère de sorcière. Ah non, je n'ai pas aimé ça. C'est pour ça que ton courrier, je préfère ne même pas le lire. Ah oui, c'est ça. Mais quand nos frères aussi, là, ça va, c'est nos frères qui s'en vont se marier, qui marient d'autres femmes là. C'est le même comportement aussi. Souvent nos mamans ont avec les femmes là-bas. Donc, ça dit, il faut essayer de revoir, ça dit, voir le revers de la médaille. Ah oui, je le dis. Une belle mère, c'est une mère. Vois la maman de ton mari là comme ta propre mère. Moi, ma mère n'est pas difficile. Donc, je n'ai pas regardé une belle mère comme une ennemie. Même les Occidentaux chez lesquels on vit là, ils disent que, oh non, quand tu es avec la belle-mère, il faut prendre un peu de gants. Je suis avec des parents ici, ils me disent ça, oh oui, cette fin de semaine, Monique, je reçois ma belle-mère, donc ça prend un peu de gants. Mais vous voulez marier, vous voulez marier, et puis vous allez oublier les belles-mères. Parfois, vous êtes mariés là, tu ne connais plus la route de chez la belle-mère, sous prétexte qu'elle est compliquée. Vous vivez dans la même ville souvent, avec vos belles-mères, mais les belles-mères ne viennent pas à la maison. Les belles-mères ont problème. On voit toujours dans la belle-mère la diablesse. Ça ne peut pas marcher. C'est aussi clair que ça. J'ai dit que c'est toi qui es parti marier son fils. C'est toi qui es parti marier son fils. Donc c'est toi qui dois négocier pour qu'elle t'aime. Ah, clair. C'est comment moi je vois la vie. Dans ma famille, là, toutes mes soeurs qui sont mariées, on n'a pas de problème avec belle-mère. Parce qu'on nous a appris ces valeurs-là. On nous a appris ces valeurs, mais on est rendu dans un monde aujourd'hui où on veut, ça dit qu'on veut se liguer contre la belle-mère. Tu peux te liguer contre ta belle-mère? Ta belle-sœur, oui. Ma belle-sœur, là, je te dis, ta place là chez moi, ça dit ta place est négociable dans ma maison. Ma belle-sœur, ta place chez moi, pourquoi tu passes chez moi là? C'est négociable. Mais ma belle-mère, c'est pas négociable. Maintenant, si on voit que quand elle vient là, c'est trop intense, son comportement est trop. Ben, j'ai trouvé le moyen pour dire à mon mari, ah, vraiment, la façon dont c'est arrivé là, le manque de respect est trop. Oui, parce qu'il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter, mais ce qu'on dit, il faut dealer avec. Dealer avec les belles-mères. C'est ça mon message. En ce jour des fêtes des mères. Dis-le. Mais tu travailles là, oui, tu travailles, tu n'as jamais fait cadeau à ta belle-mère. Il y a les belles-mères qui sont là, il y a dit que tout le monde est devenu matérialiste. De toute façon que les femmes aussi sont matérielles, les hommes sont matériels. Les belles-mères aussi là, tout le monde aime l'argent. De temps en temps là, tu fais les petits cadeaux. Il faut aller chercher l'amour de ta belle-mère. Si tu veux même, va payer son amour. Va payer son amour. Mais tu travailles, jamais aucun cadeau. Vous comprenez?
Il y a des belles mères qui sont terribles, comme je dis, comme des propres mères qui sont terribles. Donc si des mères sont terribles là, et puis on les supporte là, pourquoi moi je vais pas supporter ma belle-mère? Supportez vos belles-mères, respectez les belles-mères. Respectez les belles-mères. Si ta belle-mère t'a manqué de respect en l'absence ou en présence de ton mari, c'est le regard de ton mari que tu cherches. C'est ce que moi on m'a appris dans ma tradition. C'est ce qu'on m'a appris. Ma belle-mère m'a manqué de respect devant mon mari, mais c'est pas devant mon mari que je vais répondre à sa maman, ou bien derrière lui je vais répondre. Et puis maintenant quand il vient, comme on dit chez nous, tu as fini de parler, puis tu essuies ta bouche pour t'asseoir. C'est pas de ça qu'il s'agit. Si ta belle-mère t'a manqué de respect, tu vois ton mari dans la main, tu lui dis, ta maman, façon qu'elle m'a parlé, je n'ai pas aimé. Ainsi de suite, et puis vous faites du travail. Toi aussi, dans ta famille, il y a des, tu as ta maman ou bien tu as tes grandes-tantes qui peuvent aller aussi aborder ta grand-mère, ta belle-mère pour lui dire, ah, vraiment, voici ce que notre suffit nous rapporte, tout et tout. Oui, on peut essayer de faire des trucs. Hein? Mais non, c'est pas ça. On va manquer de respect à la belle-mère parce qu'on est en 2021. Moi, ça ne peut pas partir de mes valeurs. Oh, il y a du bon vent dans la cour. Oh, c'est pour ça qu'il faut avoir de l'espace. Quand tu as de l'espace, là, c'est intéressant. Tu te mets à l'aise. Là aussi pour apprendre ses problèmes. Bon, on dit non, oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours dit que si tu sais faire la cuisine ou tu sais pas faire la cuisine, aussi ton mari t'aime là, il n'y a pas de problème. Mais c'est le jour que tu vas recevoir la belle-mère, tu vas avoir problème. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que fais des efforts dans les foyers d'aujourd'hui. On doit faire les efforts. Donc, une belle-mère n'est pas une sorcière, ne peut pas être. Si elle est la sorcière là, c'est qu'elle est dans sa confrérie là-bas. Ça, c'est pas ton problème. Le message qu'elle m'a envoyé, non, elle aime son fils, elle n'aime que son fils et ses petits-enfants, mais tu n'es pas son fils, tu n'es pas sa fille, comme j'ai dit, elle aime son fils avant toi, aussi clair que ça. C'est comme moi, ma belle-mère, elle aime son fils avant moi, moi aussi, ma mère même avant mon mari, c'est clair comme ça, c'est chacun qui allait négocier l'amour de l'autre. C'est chacun qui allait négocier, négocier avec les belles-mères. On ne doit traiter une belle-mère de sorcier en aucun cas. C'est pour ça que je n'ai pas apprécié ton courrier, comme je te l'ai dit. Si je l'avais apprécié, je l'aurais lu. Maman en Canada. C'est ça qu'elle a. Vous comprenez? Ah oui, vous ne pouvez pas toujours remettre tout en cause. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, mais la vie de foyer n'est pas facile. L'impatience, je suis fatiguée de ce foyer. Je suis étouffée de ce foyer. Tu es étouffée de ce foyer. Tu as quitté ton foyer à cause de ta belle-mère. Mais où tu vas partir un jour là, tu peux rencontrer encore une belle-mère, même à la Nadie là-bas. Vous comprenez? J'ai dit qu'il n'y a pas un foyer qui est foyer de quoi? De foyer de luxe ou bien foyer de quoi? Il n'y a pas ça. Comme j'avais, quand j'avais, le roi avait payé le robot pour moi, il y a une impactée qui m'a dit, l'impacteuse, comment tu fais? Ton mari te donne, il a dit, mon mari me donne tout, tu connais crachat qui sort de ma bouche, pour qui me donne? Vous croyez que c'est aussi facile que ça? Les hommes, là, affaire d'argent, quand ça ne va pas dans leur camp, pour enlever l'argent aussi facilement, là. Oui, je suis venu ici, il m'a offert ça, mais est-ce que c'était aussi facile? Tu sais combien de fois il a négocié pour qu'il m'offre ça? Ah, moi, je suis fatigué, je me suis plaint ici, quand finalement il a offert. Donc, ne croyez pas que tout brille. Ah oui, hein. Donc quand Lola Beauté souvent dit ses vidéos, il y a des choses qu'elle dit dedans. Oui, travailler. Même si tu es marié, il faut travailler pour toi. Parce que même si ton mari doit donner 1 million, il ne va pas laisser ça comme ça déposer dans ta main. À moins que tu sois dans un mariage princier là-bas, où chaque mois, là, un viré. L'argent des hommes dans les maisons, pourquoi on donne là? Est-ce que c'est facile? Voilà, chauffe eau ici. J'ai dit, oh papa, cette année-là, moi, je ne vais pas commencer les noyades là. La piscine là, en juillet. Il faut payer le chauffe eau. Non, c'est quoi? Ma bouche a parlé quand finalement, là, au moment où il ne m'attendait pas, il est venu, chérie, finalement, tiens, il faut aller payer le chauffe eau. Mais c'est passé, ma salive, c'est gaspillé. C'est quel foyer où on ne parle pas? Tous les foyers, on parle. Donc, ne restez pas là, envier le foyer des autres. Il n'y a pas un foyer qui est facile. Mais nous, ce qu'on demande dans les foyers, cherchez votre respect. Il faut que ton mari te donne le respect. Il faut qu'il te donne l'amour. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, à faire de dire qu'on donne l'argent aussi facilement. C'est à qui on donne l'argent aussi facilement? À qui? J'ai dit que les hommes même du pays, là, ils donnent l'argent facilement aux femmes que ceux avec lesquels on est en Occident ici. Parce qu'ils voient déjà que tu travailles.
souvent il voit que ton salaire même dépasse pour lui. Donc pour qui il va te donner même là? Il va réfléchir aussi facilement. Vous comprenez? Ah oui, 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 vous comprenez. Donc quand vous êtes avec les hommes là, faut regarder, oui c'est vrai, ta maman me manque de respect, mais qu'est-ce que tu fais? Moi voici des questions que on va aller poser à un homme. Tu vas pas te dire que non, mon mari me manque de respect, ma belle-mère me manque de respect, donc je vais quitter mon foyer. Maman, si tu veux quitter ton foyer pour belle-mère, ah. En tout cas, donc respecter. Respecter. Les belles-mères. La vie n'est pas facile. La vie de foyer, c'est palais-palais. C'est palais. Après un foyer où tout se donne aussi facilement. Il va te donner, ça c'est clair. Si ton mari t'aime, il va te donner. Ah. Maintenant, tu connais aussi les stratégies souvent. Moi, quand il a demandé comme ça là, quand il a demandé et puis je veux quelque chose là, qu'est-ce que je fais? Quand il vient comme ça là, bonjour chérie, j'ai dit bonjour. Puis je mets le visage à gauche. Ah, il y a quoi? Il y a une mauvaise note. Il n'y a rien. J'ai fait visage quand jusqu'au soir. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile, hein? J'ai fait le visage jusqu'au soir là. Finalement là, c'est sorti. Ah oui, les hommes vous donnent. Vos maris au pays vous donnent l'argent facilement que les hommes ici en Occident et les femmes. Les femmes qui sont en Occident savent que je ne mens pas. Donc une femme qui est venue en Occident pour se bomber la poitrine là, de quoi? Les hommes donnent l'argent aux femmes en Afrique. Ah, vous riez, est-ce que j'ai menti? Je n'ai pas menti? Ah oui, c'est clair. Ils donnent l'argent là-bas, mais ici... Il voit ton salaire, il sait que tu gagnes même plus que lui. Garçon qui est dans, tu es dans la maison, hein, lui, il sait que tu gagnes. Hein? Il sait que tu gagnes. Pour qui il va enlever pour te donner confiance? Est-ce que c'est aussi facile que ça? C'est pas facile. Crachat va finir dans la bouche. Crachat finit dans les bouches, dans les maisons ici. Mais ce qui est sur la différence, c'est que quand il t'aime là, tu sais où aller chercher pour qui il va te donner. C'est ça aussi. Ah oui, 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 oui. Je sais où aller chercher. Quand c'est comme ça, il dit, mon frère, pardon. Deux jours là, je n'ai pas trop envie de parler. J'ai pas envie de parler ces jours-ci là. Depuis matin même là, j'ai pas envie de parler. Mais si tu ne parles pas, moi, je vais parler avec qui? Il dit, pardon. Ta fille est là, il faut aller causer avec elle. Après, sa soeur me dit, j'ai dit, non, tu es trop avare. De temps en temps là, il faut faire sauter. Il dit, moi, je suis avare. Toi, même si on voit quand il va déposer 5 000 dollars dans ta main. Sagui, quand c'est quand il me dit mon nom du village, il dit, Sagui, toi. C'est au moment où je suis en train de te donner cela, tu dis, hey, papa, je suis vraiment, est-ce que j'ai envoyé un mari comme. Mais quand j'ai fini de te donner là, pour le prochain là, je suis toujours avare. Depuis que tu es connu, tu m'as dit, je suis avare. Mais ça prend un homme avare pour toi. Parce que tes démons sont encore là. Où tu... Merci pour toutes ces étoiles. Il me dit, ça prend un homme avare pour toi. Si moi, je n'étais pas avare, toi, on peut réaliser quelque chose avec toi. Tu as oublié le temps où on voyageait à New York, tout ça. Là, quand on arrive, là, tes yeux brillent, tu veux tout prendre en même temps pour venir à Montréal. Je te connais. Donc, si c'était donné, il faut prendre d'abord. Dans les foyers, chacun a... Vraiment, souvent, je parle aux femmes. Il y a ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, mais il y a la vraie réalité. Il dit que ça prend un homme avare pour toi. Mais c'est ce qu'il vous a dit. Il dit, quand j'étais connu, là, je n'avais rien... malgré que je n'avais rien, toi tu étais étudiante, mais quand moi, oui, lui il s'est débrouillé, hein, mais quand il négocie à engrais comme ça, là, quand on veut prendre le taxi, et puis il négocie le taxi, ben, à engrais, j'ai 200, ou bien je ne me rappelle plus. J'ai dit, ah, lui là aussi, oh, moi c'est ce que je n'aime pas, tout, tu as bien négocié tout devant les gens. Il dit, mais négocier, ça fait quoi? Ça fait quoi? J'ai négocié, ça fait rien. Il dit, toi, ce comportement, tu as toujours ça en toi. Jusqu'aujourd'hui, je les traite d'avant. Toujours. Il dit que c'est mieux. Il dit que c'est mieux. Donc, ne regardez pas toujours chose, la vie qu'on vous propose sur les réseaux sociaux. C'est la vérité, il vous dit. Moi-même, l'impact, je chante son nom toujours ici. Hein, mais pour qu'il me donne, il faut que je parle. Pour qu'il me donne. Si c'est pour dire que je vais voyager, je vais faire ça, hein, il peut payer. C'est tous mes voyages, je fais, c'est lui qui paye les billets d'avion. Ça, il ne peut pas mentir. Mais pour il y a des choses aussi là, hein, mon cher ami, on va pas te donner facilement comme ça, hein.
Donc, laissez à faire de haut, je suis condamné. C'est quand il dit là, tu as un homme, il te rabaisse dans le foyer, il t'insulte, il insulte ton intimité, il te frappe, il te fait des trucs. Là, hein, tu peux dire que mon foyer est menacé. Mais ta belle-mère ne t'aime pas, ou est-ce que ton mari ne t'aime pas? Mais il faut chercher l'amour de ta belle-mère. C'est ça mon message. Donc, il n'y a pas une vie, il n'y a pas une vie qui est dorée ici, surtout en Occident. N'enviez pas les gens. N'enviez pas. Voilà. Aussi clair que ça. Aussi clair. On a que le sujet intéressant. Hein. Attends, je vais mettre mes lunettes pour vous lire un peu. Ah, il faut négocier. Hein. Ah, mon cher ami, si vous ne voulez pas négocier là, ne dites pas que l'impacteuse a dit. Parce que moi-même, je négocie dans mon foyer. Elle dit, il reste juste dans le volume, mais bon. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Vous comprenez? Il faut négocier. Faut négocier. Pourquoi on a installé la piscine qui est là? Cracha a parlé ici quand derrière. D'abord quand on est parti, quand on cherchait la maison, pour vous montrer l'avarice des hommes souvent. Mais comme je dis, si ton mari t'aime vers la fin là, il va te rejoindre un peu. Hein. C'est pour ça que chercher les hommes, tu vas vous donner beaucoup d'amour. On est parti, moi j'ai vu, vous savez toujours mes yeux brillent. Mes yeux brillent. Toujours quand on va dire, hein, c'est toi qui es né dans la poussière à Daloa, mais quand on s'en va là, ça dit tes yeux là, ça brille comme ça. On est parti, on a vu une maison où il y a un spa. J'ai dit, hey, papa, quand on est arrivé, j'ai dit, waouh, attends, la maison où il y a derrière le spa déjà là. Le prix était élevé, lui il est derrière. Et puis quand il est dans quelque part avec lui, on a fait des diminuer. J'ai dit, mais papa, on ne peut pas tout. C'est ce jour-là, j'ai compris qu'on pouvait négocier une maison. Moi, je ne savais pas. J'ai dit, mais aïe, tu crois que le monsieur va accepter? Il dit, mais comment il va pas accepter? On arrive là-bas. Moi, j'ai vu le spa, j'ai dit, waouh. Déjà, j'ai dit, waouh, le visage de mon mari est déjà gâté. Il dit, mais maison, je suis venu, je vais négocier. Déjà, tu dis, waouh, comme ça. C'est ton affaire qui est là. On est sorti de cette maison-là, palabre. J'étais sur cette maison-là. J'ai dit, oh, fallait qu'on prenne la maison où il y a le spa là. Il dit que tu as maison où il y a spa là, c'est plus élevé. Je ne veux pas une maison qui va prendre mon coup. Hein. Mais moi, je continue de payer la maison. Et puis demain, toujours tes besoins là, tu vas continuer d'exprimer ça. Faut pas être pressé. On a tourné, on tourne ici, on tourne là, on s'en va dans tel coin. Jusqu'à finalement, on a trouvé cette maison. Mais pourquoi on a installé la piscine là? Toi-même, tu sais nager où? Et puis tu es pressé pour piscine là. Hi! J'ai dit, mais quand même, on a besoin de ça. Quand elle invite ses amis l'été, c'est elle qui va toujours chez les amis, tout et tout, tout et tout. La salive de ça. Piscine où on a vu, et puis on était derrière moi, avec, comment on appelle ça? Comment on appelle les trucs là? Ah, les trucs dans le cou ici, et puis on était derrière. La salive de ça, sur la piscine. Maintenant, quand c'est quand il fait chaud, maintenant c'est où il fait chaud. On avait vu l'importance de ça. Mais dans le temps, qu'est-ce qu'on m'avait dit? Tu as trop de goût de luxe alors que tu es né dans la poussière. Il me dit ça souvent. Nous, on rit avec ça. Vous comprenez? Pour vous dire, ce que nous, on ne veut pas, c'est la violence, se laisser maltraiter. Mais il n'y a pas un homme qui donne le lait comme ça dans la main. Il n'y en a pas. À moins que tu aies marié un riche milliardaire là-bas. Là, il te vire chaque mois. Donc, arrêtez de rêver. Il n'y a pas un foyer qui est aussi facile que ça. Il n'y a pas un foyer qui est C'est bien beau de dire que mon mari. Hein? Oui, mon mari. Mais ton mari t'a donné ça. Mais la salive que tu as gaspillée et puis ton mari t'a donné. Là, tu n'as pas parlé de ça. Hein? Tu n'as pas parlé de ça. Bah, nous, les femmes, on est comme ça. Quand nos maris nous donnent, là, on dit aussi facilement qu'on nous a donné aussi facilement. C'est que si c'est la finalité qui compte vers la fin, il a payé moi. Mais comment j'ai parlé, l'avarice de ça, dans les maisons. Il a dit qu'il y a des belles mères compliquées. Il y en a compliquées même, sévèrement. Mais il faut négocier. J'ai dit que tout, quand il a commencé à parler, j'ai dit, il faut négocier le virage avec la belle mère. C'est ce qu'il a dit. Il faut négocier, parce que tu as son fils. Ah, chez nous, on dit qu'on souille maintenant bouquet, tu as quelque chose de moi dans ta main. Ah oui, tu as son fils. Vous comprenez? Ah oui. Tu ne peux pas avoir le fils là et puis maintenant tu as joué au dur avec la belle-mère. Hein? Merci beaucoup, Aïssata Touré. C'est la vérité, je te dis. Il a dit qu'il n'y a aucune de mes soeurs qui a problème avec belle-maman. Parce que nous, nos belles-mamans, on se couche dans leur bronze. On se couche là. Il a dit quand il y a un mari, le roi, tellement je tremblais. J'ai fini d'accoucher là. Elle a dit, viens chez moi. Il dit,
Celle aussi, on a dit qu'elle est compliquée. Afia Monique, on a dit qu'elle est compliquée. De... Entendu, il faisait maintenant mon atalakou. Ma femme s'est préparée. Tant. Je suis partie. Il a dit qu'elle faisait son bella, mais elle-même, elle voulait pas qu'elle fasse. Elle a dit, tu es une nourrice, il faut faire doucement. Il a dit, ah, c'est pas la femme, là, on a dit, elle est compliquée là. Un jour, je l'ai fait, ça a dit, ah, la vieille, comment elle venait là, il y avait peur de toi. Hein. Elle a dit, pourquoi? Il a dit, ah, parce qu'on m'a dit que ton affaire est forte. Elle a dit, oui, mon affaire est forte. Mon affaire n'est pas facile. Mais moi aussi, je regarde la personne qui est là. Quand tu es venue là, j'ai vu comment tu as fait. C'est ma copine. Je fais pas là le monsieur, comment. Quand il lui dit, mon maman, un jour, il a dit à sa maman, donc c'est toujours ma femme qui a raison. Moi, je n'ai jamais raison. Elle dit, mais moi, je veux la paix dans ton foyer. Bon, si moi et maintenant là, ce qui s'est passé là, je sais que tu n'as pas raison. Et puis j'ai dit que tu as raison, parce que tu es mon fils. Est-ce que j'ai arrangé ton foyer? Je n'ai pas arrangé ton foyer. Le jour ta femme fait mal aussi, elle a fait ça pour lui parler. Donc il n'y a pas une belle mère qui est facile. Il n'y a pas belle mère facile. Il n'y a pas foyer facile. Il n'y a pas foyer facile où on donne l'argent, on jette l'argent chaque jour sur les femmes là. Il n'y a pas ça. Pas les hommes n'ont pas les mêmes priorités que les femmes. C'est ça qu'elle a. Ils n'ont pas les mêmes priorités que les femmes. Enfin, nous, les femmes, on a beaucoup de priorités. Tout et tout. À un moment, là, quand il a commencé dans le cheveu humain, en ce moment, j'étais même pas encore blogueuse. Il quitte au travail, il s'en rend dans un coin là-bas. Il y avait une Indienne qui fait. Il quitte le travail, il dit, oh, il faut aller chercher mes cheveux humains. Je l'envoie là-bas. Et un jour, il m'a fait ça. Il dit, mais l'affaire des cheveux humains là, est devenu problème sur ma tête. Deux jours, moi, j'ai fini mon travail, il est venu me reposer. Je suis obligée d'aller à l'autre bout de Montréal là-bas, courir pour faire tes commissions. Ah, ça dit vraiment, je t'aime. Mais deux jours là, affaire des cheveux là, il faut m'enlever dedans. Trouve le moyen, comment la fille va te livrer ça quelque part. C'était pas lui sa priorité. Donc, c'est une question de ça. Donc, quand vous êtes avec les hommes, observez bien. Quand ils sont en bas là, parfois c'est bon au début. Ce qui est mauvais, c'est que tu en as et puis tu ne donnes pas à la femme à laquelle tu es. Elle parle, tu t'en fous et puis tu jettes ça dehors, tu jettes l'argent dehors. Alors que la femme à laquelle tu es est dans le besoin. Oh, il y a eu quelque part virement. En tout cas, parce que la femme aussi, même si elle a les moyens, elle veut que son mari n'a qu'à lui donner. Ah bon, Lydie Okema, merci beaucoup. Elle dit que c'est d'ici, donne pas là aussi. Parce... Il donne pas. C'est au pays là-bas, vos maris qui vous aiment, compte l'argent du mois, et puis ils vous donnent. Ici, là, c'est pas comme ça. Vous comprenez? Oh, regardez. Parti où? Elena Tapé, parti où? Vous comprenez? C'est au pays, on vous donne. Ici, là, c'est bien beau, hein? C'est la vérité, elle dit. Lui-même, il veut que tu n'as qu'à lui. Lui-même, il veut que. Ça dit qu'il y a d'autres maintenant qui ont exagéré. Maintenant, eux, ils font maintenant gay juste maintenant, les femmes. Hein? Pour nous, vous qui n'êtes pas ivoiriens, gay juste là, ça veut dire qu'on coupe la poire en deux pour parler. On fait kit-kit. Moitié-moitié. Il y a d'autres aussi qui veulent rentrer dans ça. Ah, garçon. Ah, ok. Voyez-vous, hein? Je ne mens pas, hein? Ah oui, voilà une qui m'a dit que garçon ne donne pas comme ça là-bas. Non, mais Clarisse Conan, c'est la vérité, elle t'a dit, ma chérie. Vous voyez, non, le petit sujet a pris, vous êtes en train de rire, on est versé. Que quoi? Mon mari me donne l'argent. Oui, ton mari te donne l'argent, mais tu as parlé là-bas, tu as fait beaucoup d'acrobaties et puis il t'a donné. Faut pas faire comme si on l'a payé à la fin du mois, il a pris 2 000 $, il l'a déposé dans ta main. Il t'a pas donné 2 000 $ la cadeau comme ça par toutes. Vous comprenez? Ah, il est encore là. Lui, il voulait le Congo ça, là. Hein? Lui, il voulait le Congo ça. Laissez le Congo ça. Souvent, on peut parler des sujets comme ça où vous trouvez ça intéressant. Aïe! Ah bon, d'accord. Que quoi? Ce qu'on demande à chaque fois, n'a qu'à se débrouiller dans son foyer. J'ai vu... Oui. 50-50, d'autres veulent faire ça. Hein? Ouais, j'ai vu un truc de Lolo Beauté. Oui, souvent j'aime faire un peu référence à lui, en dehors de son incité et tout là. Mais elle a de bonnes idées, je l'ai toujours dit. Côté entrepreneuriat, il n'y a rien à dire sur elle. On a dit non, Lolo Beauté, c'est pas son. Elle n'a jamais eu un homme qui lui donne l'argent, c'est pour ça qu'elle dit ça. Vous êtes dans le faux quand vous dites ça. Vous qui raisonnez comme ça, les femmes qui raisonnaient, quand Lolo Beauté dit qu'une femme ne doit pas attendre l'argent d'un homme là, elle n'a pas menti. Parce qu'on ne donne pas ça aussi facilement. Quand il t'aime, là, il va te dire, mais c'est encore plus intéressant même quand toi, la femme aussi, tu contribues bien.
dans le foyer. Sachez que les hommes même donnent facilement aussi comme ça. Ils ne veulent plus les femmes où ils vont aller donner chaque jour. Donner chaque jour. Aïe, il dit qu'on est tous des aventuriers. Ah oui. Lui, il est venu chercher aussi pour donner à ses parents. Très souvent, on s'est croisés ici même encore. Là encore même, c'est grave. Mais là même, c'est gâté. Merci pour les 800 étoiles. Joël Adou, merci pour les étoiles. Quand vous vous êtes croisés ici, là, là même, là, chacun masse les fesses serrées dans le foyer. Et souvent, moi, j'ai dit au roi que c'est qui est ma chance, c'est qu'il était connu dans la galère. Quand je lui dis ça, là, il est là, il a une manière de faire, un sourire. Il dit, c'est ça qui est ma chance. Mais si toi, je ne t'avais pas connu dans la galère, aïe, j'ai dit que là, même, pour que si ça tombait à terre, qui va voir? C'est ça qui est ma force. Je t'ai connu dans la galère, où ça allait? Je sais où aller toucher pour que ça sorte. Mais quand tu n'as pas connu l'homme dans la galère, puis il est, comme on dit au Québec, il est près de ses sous. Ah ça. Ma chérie, tu vas aller trouver tes stratèges pour faire comment il va te donner l'argent. Oh, merci beaucoup, Pascaline. Pascaline Tsongo. Sanyo, merci. Ah oui. Vous comprenez? Quelqu'un est l'espoir de sa famille. Lui, il est l'espoir de ta famille. Lui, il t'a quoi? Bon. En tout cas, Stella Lawson, tu payes presque toutes les factures de la maison. Ah. En tout cas, moi, je ne peux pas mentir. En tout cas, ici, on partage quand même. Ça va passer ici sur les réseaux sociaux. J'ai dit que non. Lui, il aime manger africain. Non, moi, il paye manger africain. Mais lui, il m'a dit que le loyer, tout et tout. Les assurances des autos, c'est moi qui paye, tout et tout. Vous comprenez? C'est que s'il prend la grosse partie. Il prend la grosse partie. Voilà. Ah, mon cher. Ah, d'accord. C'est ça, hein? Vous comprenez? Parce qu'on a vu aussi d'autres qui vivaient avec des milliardaires, des femmes qui vivaient avec les milliardaires qui sont sorties zéro des relations. Donc, ça veut dire que quoi? Il n'y avait pas une manne financière qui était réservée pour elle là. Il faut faire attention. Ah, oui. Vous comprenez? Il y a ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Wow, mais il y a la réalité qui est là. Vous comprenez? Un jour, moi, il lui a dit que, oui, tu es là, mais si tu peux me donner 5000 dollars. Il dit que toi, tu es. Il dit que c'est là. Il dit, Sagui, tu as réussi. Dans les 5000 dollars qu'on a été donnés, tu as fait quel travail? Tu ne voyages pas, tu ne fais rien. Dans quoi vide là où le stress me tue ici là? Il dit, si tu peux me donner 5000 dollars. Il dit, les 5000 dollars là, moi, on m'a donné ça cadeau à Santa Cabrini là-bas, son hôpital, son travail. Il dit, quand je suis parti à l'hôpital là-bas, on m'a donné ça cadeau. Et puis, du coup, il vient comme ça, il donne les 5000 dollars. Tu vas où et puis on te donne 5000 dollars. Merci beaucoup, Ben Chico Légende. Il n'y a pas une vie qui est facile. Les phrases que je n'aime pas, c'est quand on dit le foyer de nos mamans durait, alors qu'elles vivaient la souffrance. Le foyer de nos mamans durait là. Ce n'est pas parce qu'elles étaient heureuses. On frappait nos mamans là-bas. On les faisait tout là-bas. C'est ce que nous, on ne veut pas. On ne veut plus ça. Mais les petits trucs où tu as négocié avec la belle famille, j'ai dit que la belle famille, on négocie avec elle. On négocie avec la belle famille. C'est ce que j'ai dit. Donc, vous comprenez? Il n'y a pas de foyer qui est facile. Donc, si on vous a dit qu'il y a des foyers où on donne le lait là-bas, on donne tout là-bas. Ah oui, tu participes pour ça, ça t'impose le respect. Tu participes dans le foyer, ça t'impose le respect. J'ai ma copine en Italie, Vicky la Duchesse. Elle m'a dit un jour quand j'étais allée en Italie chez elle, elle m'a fait sortir une phrase. Son père lui a dit, l'homme ne doit pas donner l'un du marché chaque jour dans la main. Chaque jour dans la main. Quand il donne chaque jour dans la main, ça l'énerve. Donc, arrange-toi pour que ton mari te donne un bon coup et puis toi-même, tu gères. Mais ça, là aussi, on m'avait fait ça à Abidjan là-bas. Ça n'a pas donné quelque chose. Quand je suis le genre, quand il donnait là, quand il vient, le mois n'est pas encore arrivé vers le 20, il vient, papa, là n'est pas arrivé, l'un du marché est fini. Donc, c'est quand je suis arrivé en Italie que Vicky m'a dit, mais quand elle lui disait que papa, l'un du marché est fini, il était énervé. J'ai dit, mais quand j'avais payé ça là, le poisson à la braise, j'avais fait un soir là, tout et tout. Mais quand lui il a déjà donné, donc dans sa tête là, toi tu dois gérer. Donc tout ça aussi là, la gestion de la femme là, ça passe par tout ça. Les hommes n'aiment pas, ça dit que chaque jour ils vont aller là du marché pour te donner. Mais quand il t'a donné, il faut gérer. Mais si tu as un problème de gérance comme moi là, tu fais comment? Tu fais comment? Donc c'est tout ça, on est en train de parler. C'est la vérité. Bonne fête demain, Marie. Ah oui. Non. J'ai dit que ma vie, Dieu merci, Dieu a réservé ma vie ici en Occident. Parce que les choses de l'Afrique où on te donne là, on dit non, j'ai un coup là. C'était difficile pour moi tout ça là.
Hein, c'était difficile. Lovely Moussa, je vais bien, merci. Hein, j'ai un coup, toujours c'est moi qui venais gratter la tête devant lui. Bon, vers la fin, j'ai travaillé à la banque. Vous pouvez imaginer, moi, j'ai travaillé à la banque. Lui, il était kinésithérapeute. Après son kinésie, là, il faisait ses petits gombos. Mais malgré que j'étais la banquière, c'est moi toujours qui venais gratter la tête. Papa, tu peux me compléter? Mon transport est fini. Il dit, ah, une banquière. On va venir aider une banquière. Ah, la go. Amunia. Non, j'ai dit que ce monsieur-là a souffert, moi. Il dit, une banquière encore. On va toujours payer le transport de la banquière. Pourtant, quand je suis avec mes amis, c'est toi qui vas, je travaille à la banque. Tu travailles à la banque, mais là, on n'arrive pas à la fin du mois. On est venu au Canada aussi, il y a un sas qui était sur moi ici. Malgré que je ne travaillais pas. Vous comprenez? Lovely Moussa, tu m'as envoyé, puis je ne parle pas. Je ne parle pas de quoi? Faut laisser les trucs d'immigration, je ne parle pas de ça actuellement. Hein, je me repose. Actuellement, il n'y a pas de contrat, donc je ne parle pas d'immigration. Elisa, ma personne, comment vas-tu? Non, mais c'est ça. Il dit, mais depuis quand on vient au secours d'une banquière? Mais c'est toi toujours, on vient à ton secours. Tu comprends? On venait toujours à mon secours les fins du mois. Quand c'est comme ça, je tourne. Je peux pas. Parce que lundi, je vais au travail, il n'y a rien. J'ai dû à distribuer. Mes petits oncles là sont passés. Quand c'est comme ça, là, ils vont m'appeler, maman, j'ai tel problème. Et ça, mon petit nom de la famille. J'ai tel problème. J'ai dit, ah, Choubi est là. Donc, on a qu'à se croiser vers la pharmacie. La pharmacie va te voir. Je m'en vais, je donne. Le gars est parti grouiller. Quand il vient, il dit, Vous comprenez? Ça n'a pas donné. On est venu au Canada si c'était pareil. Je suis rentré dans l'affaire des marques. Tout ça là. C'est pour ça que souvent il dit, ça vous prend des hommes un peu avant. Même s'il est avant qui t'aime là. Prends-le comme ça. Mmh. J'ai vécu l'expérience. Jusqu'aujourd'hui, je suis dedans. C'est l'avant, comme ce que les femmes appellent avant, hein, ce que la femme africaine appelle avant. Il y a déjà fait une vidéo dessus, hein. Ce que la femme africaine dit qu'il est avant là. J'ai dit que l'avant ne peut pas dépenser pour lui-même. C'est ce que le dictionnaire français dit. Le dictionnaire français dit que là-bas, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire lui-même. Ça dit que ses propres, ça dit subvenir à ses propres besoins. Vous avez vu, à Pagon, il avait l'argent, mais son truc était troué. L'eau coulait dans la maison. Il mangeait le pain gojo. Vous comprenez? Donc, voici comment on décrit un avare. L'avare, là, ton mari que tu dis, il est avare, là, c'est pas le mari qui n'est pas capable, qui ne veut pas t'acheter le sac à main tout de suite, là. C'est pas lui l'avare. Parce qu'on n'a pas les mêmes priorités. Je le dis. Mais les hommes aussi, leur argent aussi, ça ne sort pas aussi facilement. Même dans les affaires d'immigration, les femmes me disent, l'impact, souvent quand on t'entend parler, on sent la vérité. Tu connais les hommes, c'est mon mari qui a fait qu'on a raté. Parce que parler, il faut le convaincre, tout et tout, les hommes. Quand c'est pour eux, ils vont enlever l'un pour dépenser. Il faut, ça dit, trouve toutes les astuces pour les convaincre. Enfin, ils n'enlèvent pas l'un aussi facilement. Donc, on vous a dit, on donne des millions là-bas aussi facilement. Là-bas. Arrêtez ça. Vous comprenez? Merci pour les cœurs, merci pour toutes ces étoiles. Vous comprenez? Ça fait combien de minutes là? Je vais terminer avec le sujet. Apparemment, c'est. Vous comprenez? Merci Lydie Okema. Amina Choco, merci. On n'est pas ici pour se marier et puis on a divorcé pour rien. Je ne laisse pas mon foyer pour ma belle-mère. Ah, je suis sur le vin. Hein. Mais c'est le même vin, ça n'a même pas. Tina, voici la bouteille. Le galop. C'est un Californien, j'aime bien ça. Tu es sur le vin. Il fait beau, je profite, non. Je suis heureuse. J'ai une vie heureuse. Il y a une vie. Pareil. Mon mari, quand il rentre. Ah, c'est ça, hein? Cherchez les hommes qui vous aiment, hein? Ah oui. Quand ils t'aiment, là, ils se préoccupent même de ton expression faciale. Comme ma chérie Oti. Elle dit, ma chérie, quand ça, là, ce qu'elle a dit, et puis il ne veut pas faire, là, il met le visage à moi, le cas. Il a mis mon visage à moi, le cas. Tout ce que tu parles, il a dit, ok. Ah, quand c'est quoi, il dit, ah, Choubi, il faut parler à ta fille, là-bas. Oui,
de cela, je pense à mes problèmes. Il dit, mais toi, tu as quel problème que moi, je ne peux pas régler? Allez, là, moi, je ne peux pas régler quel problème. Il fait beaucoup d'humour, hein, mon mari. Il dit, mais quel problème, moi, je ne peux pas régler? Hein? Quel problème? Il dit, pardon, allez, là, parce que où je suis là? Je pense à mes problèmes. Je pense à quoi causer avec ta fille? Causer avec ta fille? Ça, c'est quoi? Moi, il dit aussi, mon cher, elle dit que moi aussi, je ne suis plus dans ça maintenant. Vous comprenez? Trouvez un peu les petits points faibles de vos maris aussi. C'est tout ça, on dit qu'on aime le gars, il aime sa femme, la femme aime son mari. Bon, tu as l'homme, aucun petit point faible que tu peux aller chercher pour manger son argent. Ah oui. L'homme là, il faut que tu manges aussi son argent comme si tu étais dehors. Ah oui, tu es mon mari, il faut qu'il mange ton argent. Ah oui. On n'est pas, c'est pas parce qu'on est venu dans le foyer, maintenant on n'a plus moyen là. Il faut. Parce que si tu étais dehors, tu allais mettre les stratèges en place là. C'est quoi tu mets? Avoir la Justine avec la rousse, c'est ça. Je fais comme ça, je mets. Ou bien quand c'est comme ça là, ah, ça dit, tu as préparé mon fou. Il dit, pardon, deux jours là, j'ai mal aux épaules. On fait des foufous là, pourquoi mes bras vont se muscler encore ici plus? Il fait d'une manière. Ok. Il tourne jusqu'à quand il vient. Ah oui! En bas d'un foyer, on dit que non, c'est comme ça, on va chercher un moyen de l'argent de l'homme. Non, il y a moyen de ton argent. Donc, mais pour manger l'argent des hommes, même le mari, tu vas parler, la salive va verser. Merci beaucoup pour toutes ces 1000 et quelques étoiles. Merci beaucoup, merci à vous, merci. Voilà. Donc, en conclusion, respectons les belles-mères. Ne permettons pas qu'une belle-mère nous insulte. Ça dit qu'un mari, tu ne dois pas permettre que ta maman insulte ta femme. Tu dois être un homme responsable. Même si tu ne veux pas réagir devant la femme, c'est correct. Ta maman m'a manqué de respect. Hein? Tu ne veux pas parler à ta maman devant moi. Je vais comprendre ça. Mais il faut que tu trouves le moyen de lui parler. Voilà, hein, je vais parler de ça. Il faut que tu trouves le moyen de lui parler. Vous comprenez? Je suis l'enfant d'autrui. Mais on ne traite pas une belle-mère de sorcière. Parce que nos mamans sont difficiles. Moi, ma mère n'est pas facile. Ma mère n'est pas facile. Toujours je lui dis ça. Elle n'est pas facile. Ma belle-mère n'est pas facile. Mais je m'entends très bien. Mes amis, Yvie encore. Et là encore. Le dimanche où j'avais parlé de Yvie là. C'est là après le soir, il commence à faire la fièvre. J'ai dit, l'impact de toi, mais tu ne laisses pas faire de Yvie là. Mais vers la fin, je l'ai dit, hein, dans une de mes premières vidéos, j'avais dit que Yvie, c'est ma fan. J'aime ses vidéos. C'est affaire de Petit César là qui m'avait fait chaud. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Ah, Yvie a dit quoi? Hein? Yvie a dit que elle ne vend pas les tickets dans les rues. Tout et tout. Mais ça là, c'est pas, on ne va pas passer par 1000 chemins. Elle s'adressait à Zino. C'est de Zino qu'elle parlait. Vous comprenez, non, elle parlait de Zino. Yvie, c'est vrai, hein? Zino t'a gratté. Elle a gratté à côté de toi aussi pour avoir du succès. On n'a qu'à dire la vérité. Peut-être le petit côté là, ça te fatigue un peu. Mais quand quelqu'un est rendu à son stade aussi, il faut lui reconnaître. Moi-même, j'ai apprécié la stratégie de Zino là. Quand il dit Zino, il n'est pas de Zino. Comme son nom est de ma région là, j'aime bien ce nom là. Voilà, que quoi? Que tu es au sommet? Aïe, maman, sommet de quoi? Sommet de l'Himalaya? T'es pas encore au sommet, il n'y a pas quelqu'un qui est au sommet partout. Quel sommet? Merci beaucoup, Mathias Guédé. Tu comprends? C'est le temps des unions qui est arrivé, mais tu as toujours ta place. J'ai dit, comme toi-même tu le dis, ton talent là, qui va discuter ça? Aïe, ton talent. On ne peut pas discuter, maman. Même tes ennemis de quoi, ils ne peuvent pas discuter. Je crois que c'est à quoi est ton talent même là. On parle jusqu'à, comme c'est toi qui as dit que c'est toi qui tiens la télécommande de Facebook. Hein, tu n'as pas menti, parce que nous autres même, tu nous donnes du travail. Surtout moi l'impacteuse, puisque je parle toujours dans ton affaire. Tu comprends? Mais le fait qu'elle ait vendu les tickets, pour moi c'est une bonne initiative. Ça c'est un système américain même, où on fait du porte-à-porte même. Elle devait même faire le porte-à-porte même, pour aller vendre ses produits. Moi je suis ici là, malgré que mes congélateurs sont pleins, il y a des gens qui viennent frapper à ma porte. Oh, on a de la bonne viande fraîche, sans produits bio, sans tant. Ils viennent frapper ici à la porte pour vendre ça. Donc ça veut dire que ce que Zino a fait là, c'est, comment on appelle ça? Elle a innové, oui. Elle a apporté quelque chose de, ça dit, ça sort de l'ordinaire, c'est bon, c'est appréciable. Oui, Zino t'a gratté pour avoir le succès. Ça, il faut reconnaître.
Même si elle ne veut pas reconnaître pour dire que non, elle t'a pas apporté, elle t'a, comment on appelle ça, tu ne lui as rien apporté, tout ça là. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Par exemple, on se rappelle aussi les périodes où elle t'avait froissé. Je me rappelle une phrase que Zino a prononcée. Yvie n'est pas, Yvie, elle était venue s'excuser face à quelque chose qu'elle avait dit. Et puis après, elle a dit, et quoi qu'on dise, Yvie Deron a un succès. Elle passe sur Canal+, elle parle 6 temps en temps. Donc, elle était venue s'excuser. Par exemple, elle savait que tu étais d'une certaine gamme. Mais si aujourd'hui, voilà, si aujourd'hui, tu as vu que Zino a fait un pas, il faut reconnaître le pas de Zino. Zino a fait un pas. Zino a travaillé, il faut reconnaître. C'est une fille qui a été vilipendée. Je reconnais quand elle a fait sa vidéo, elle a fait son collage sur la femme d'une star qui avait pris des produits éclaircissants. Oh my God, on était tombé sur Zino. C'est la même Zino, hein. Vous comprenez, non? C'est une fille qui est très courageuse. Vous comprenez, elle n'a pas regardé le côté de ses parents, de son père, de sa famille qui est bien. Ah oui, vous qui ne le savez pas, nous on connaît la famille de Zino Adaloa. Vous comprenez, donc Zino a pris le pouvoir. Zino, il y a pouvoir au Rio. Elle a pris le pouvoir un peu. Pour une période, là, Zino a pris. Donc il faut accepter. C'est vrai, hein? Peut-être que moi je crois qu'actuellement, peut-être que tu es un peu sur le Kilimanjaro, mais on peut dire que c'est Zino même qui a dépassé Kilimanjaro là-bas. Il faut accepter. Tu as tellement ton talent que faut pas, tu as fait et puis on dit que non, tu es jalouse d'elle. Moi, je n'ai même pas dit ça. Elle sait que tu as du talent en toi. Tu as quelque chose de grand en toi, Yvie. Tu comprends? Faut revoir un peu ce côté-là. Faut pas regarder ça de cette façon. Là, il n'y a rien dans la... Je n'ai même pas dit la jalousie. Tu as un certain niveau, tu comprends? Mais faut donner un peu de place aussi à l'autre. Donne un peu de place. C'est le temps de Zino qui est arrivé. Moi-même, quand on m'a dit que, comment on appelle ça, c'était le palais des cultures, je ne savais même pas où elle faisait son concert, Zino. C'est après, je dis, ah oui, elle a rempli le palais de la culture. Et puis, on a vu quand même les bons échos. Mais tu n'as pas dit que tu es arrivé au sommet. Tu es arrivé à quel sommet? Tu remplis les salles ici au Canada? Tu remplis les salles aux États? Tu remplis les salles en France? Non, tu n'as pas encore fait ça. Tu n'as pas encore rempli toutes ces salles-là. Tu comprends? Tu n'as pas encore rempli. Tu n'es pas encore au sommet de quoi? Comment quelqu'un m'a dit je suis au sommet? Hein? Michael Jackson, même quelques jours avant sa mort, il cherchait à faire des concerts encore pour remplir encore. Tu ne remplis pas encore les salles. Oui, c'est vrai, tu fais de l'humour. Mais n'oublie pas que ton humour aussi, oui, toi tu l'as dit, hein? Tu l'as dit, les autres étaient des humours de faut pas fâcher, mais n'oublie pas aussi que ton humour là, c'est un peu l'humour à l'africaine aussi, hein? Ah oui. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi que toi tu travailles un peu là-dessus. Si tu veux être exportable. Je ne parle pas d'exportable, on vous fait passer sur les petites chaînes, les émissions que les Africains regardent sur les canaux plus. Je ne parle pas de ça, hein? Ah oui, c'est ça. On est un humoriste ici au Québec, Boubacar Diouf, là. Un humoriste sénégalais. Ah oui, il remplit les salles ici. Ah oui, il est suivi. Quand il fait ces trucs-là, c'est les blancs qui sont remplis dans la salle là-bas. Ah oui, Zino. Oui, je connais bien la famille de Zino. Vous comprenez? Donc, quand c'est arrivé, il faut dire que c'est arrivé. Il faut dire que, ah, deux jours, on dirait que ma petite a pris le pouvoir. Faut dire ça. Faut pas, ça va être affaire de je suis tant. Doucement avec ça. Moi-même, je t'ai dit que quand j'ai fait une vidéo, je t'ai dit, ton petit côté où on a dit que tu es orgueilleuse, il y a dit les gens qui sont proches de toi là. C'est eux qui vont te déterminer. Nous, on ne te connaît pas. Donc, on va dire que non, elle n'est pas humble. Avec les Africains aussi, quand tu es humble là, il y a problème derrière des... humble. Le mot humble avec africain. Attends, je bois mon rosé. À la mémoire de ma maman Lolo, un petit Californien. Le galop. Ah oui, hein? L'Africain, quand il ne te connaît pas de loin, il te respecte. Malheureusement, il te tient en respect. L'Africain, quand tu n'as pas mis, c'est-à-dire quand tu te dis non, je vais essayer de faire ça, humble là, derrière humble des Africains là, il y a problème dedans. Donc, le côté, on dit merci pour la personne qui m'a envoyé tout de suite, Clara Kofi, les 150 étoiles. Près de 1000 et quelques étoiles que j'ai dans ce direct. Merci beaucoup. Je vous suis infiniment gré. C'est vrai, hein?
Zinon n'a pas faim, ça c'est vrai. Merci beaucoup. Zinon n'a pas, c'est pas une fille qui a faim. C'est pas qu'elle est venue, elle n'a pas voulu mettre le côté de sa famille en avant. Moi, j'ai grandi à Daloa, tout et tout, je connais le village de Zinon. Je connais même les cousins de Zinon en France. Zinon, on mon nom de Bado. La grande famille Zinon à Daloa, on les connaît. Ah oui, mais le côté humble que les Africains recherchent dans les autres là. Là, je suis d'accord avec toi, hein. Parce que humble là, il y a problème derrière humble. Derrière humble là. Vous vous rappelez, hein, quand je faisais mes vidéos, on dit l'impacteuse n'est pas humble. C'est dans l'impacteuse n'est pas humble là, que j'ai cassé la glace et puis ça a donné tout ça. Donc, humble que les Africains veulent là. Maman, je connais ça, oh. Donc, je préfère où on m'a dit que tu n'es pas humble là. C'est mieux. Parce que quand on a dit que tu n'es pas humble et puis tu dis que je suis humble. Ma humble, mon problème, ma oh. Hein? Comme on dit en bêté, derrière humble là, il y a problème. Derrière humble des Africains, il y a problème. Donc, Yvie, je comprends. Mais il y a quelque chose qu'il faut aussi souligner. Ils ont été des rires. Ah oui, ah oui, ah oui. Hein. Derrière humble des Africains, il y a problème. Avec nous les Africains, il ne faut pas être trop perméable. Évite la proximité. Ah oui, je l'ai appris à mes dépens. Je l'ai appris à mes dépens. Je préfère, si c'était à refaire, ouais, si c'était à refaire, je vais aller rechercher le côté où on dit l'impacteuse n'est pas humble là. Je vais aller payer, si c'était à payer à elle l'argent, je vais aller payer ce côté là, aujourd'hui pour revenir à ça. J'allais, mais comme j'étais nouvelle, et puis tu ne maîtrises pas les contours de la chose. Donc on te dit tu n'es pas humble, et puis des gens qui te connaissent, te disent, mais pourquoi on dit tu n'es pas humble? Mais est-ce qu'ils te connaissent même? Ça va aller te chercher au début. Mais si c'est à refaire, je vais aller chercher le côté où j'étais pas humble. Ah oui, 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 oui. Et je suis dans cette dynamique-là, là où je suis rendue là. Ah oui, oui, oui. Vous comprenez? Mais il y a quelque chose aussi dans ce côté où on parle de elle n'est pas humble, oui, il y a ce côté que j'ai soulevé. Tout ce que je lui demande, qu'elle reconnaisse aussi le travail des autres. Oui, qu'elle reconnaisse le travail des autres. Il ne faut pas mépriser les autres pendant que vous faites le même travail. Tu comprends? Il ne faut pas mépriser les autres pendant que vous faites le même travail. Parce que tu as déjà dit que l'autre ne fait pas de l'humour. Bon, tu avais dit qu'elle ne fait pas de l'humour. Aujourd'hui, elle a rempli la salle. Ça, tu n'étais même pas obligé de venir faire cas de ça pour venir la piquer. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de problème entre vous deux. Pour dire que non, elle vend les trucs dans la... Le système Zinon, c'est un bon système. Si des gens peuvent copier là-dessus, ils n'ont qu'à copier. Mais avec les Africains, ne soyez pas trop humble. Ne soyez pas humble. Ne soyez pas humble. Reconnaissez l'autre comme votre semblable. Puis ça s'arrête là. Donc Zinon a son succès. Mais ce que je veux souligner aussi, avec nous aussi, oui, on reproche à Yvie, j'ai dit. Donc, Yvie même n'avait pas de famille vraiment. Hein. Elle n'avait pas de famille ou quoi. Parce que tout le monde t'a aidé dans la galère. C'est la partie que je ne comprends pas. Et puis quand on a aidé, on te reproche le fait que, tes amis te reprochent le fait que, bon, tu les as abandonnés, tu ne fais pas ça. Mais ce que je veux aussi souligner comme élément, arrêtez d'attendre un peu trop de vos amis qui ont réussi. Oui, c'est ce que je vais le dire, malheureusement, ça peut choquer. Arrêtez de mettre vos attentes trop haut. Arrêtez de mettre vos espoirs sur vos amis qui ont réussi. Si ton ami a réussi, c'est ton ami là qui va vouloir, c'est elle qui va t'appeler. Tu n'as plus besoin de courir après elle. Mais quand vous courez aussi après elle tout le temps, vous lui reprochez, oh, tu avais mangé 60 graines chez moi, tu avais mangé tant, tu avais fait ça chez moi, à un moment donné, c'est comme vous grattez, vous forcez maintenant pour qu'elle vous reconnaisse. Vous comprenez? Ce côté-là aussi, là.
vous avez tendance à trop lui reprocher ça. Désolée de vous dire là, quand le statut change, parfois les relations changent. Il y a toujours des oubliés comme dans la politique. Malheureusement, je vous le dis, ça va vous choquer. Des gens qui ont changé de statut, c'est comme dans la politique aussi. La politique, il y a des oubliés, il y a d'autres qui étaient au premier front, il y a d'autres qui étaient en avant. Mais quand le pouvoir a pris, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont oublié d'autres. Il y a d'autres qui ont lutté, il y a des militants de première heure qu'on a oubliés dans la lutte là, qui étaient en avant, on les a oubliés. C'est comme ça l'amitié. Quand tu es avec une personne et puis la personne a pris une certaine ascendance dans sa vie, ben très souvent il y a des gens qui ne regardent pas en arrière. Mais arrêtez de gratter l'amitié, bon sang. Arrêtez de vouloir qu'elle vous reconnaisse tout ce que vous avez fait pour elle. Et ce côté-là, ça revient de façon récurrente. Mais quand c'est comme ça, c'est quoi? Est-ce que si vous avez réussi là-haut, vous allez toujours chercher qu'elle vous regarde? Non, vous n'allez pas chercher ça. Donc, oubliez ce côté-là. C'est dur à accepter, mais faites votre thérapie et puis passez à autre chose, bon sang. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez mon message. Parce que vous lui reprochez ça beaucoup. Ce n'est pas bon. Et ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Plusieurs personnes lui reprochent ça. Mais à un moment donné, vous fermez là-dessus. Mais vous forcez. Alors qu'elle, là, elle est arrivée à une autre gamme. Peut-être qu'elle ne veut même pas même qu'on sache qu'elle vous a connu. Mais vous êtes là, non. Elle a dormi chez moi. Elle a fait ça. Mais à un moment donné, non. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Elle m'a ignorée. Oui, oui, il y a des oubliés dans la vie, malheureusement. Malheureusement, il y a des oubliés. Vous comprenez? Arrêtez de toujours lui reprocher ça. Quand ça fait comme ça, là, ça frise comme si vous êtes jalouse de son statut. Vous êtes jalouse de où elle est arrivée. Malheureusement, il y a d'autres, quand elles ont réussi dans la vie, elles se disent, mais le milieu que je fréquente, je ne peux plus traîner celle-là derrière moi. Malheureusement. Alors que vous avez galéré ensemble, vous avez fait tant en temps, rien n'a aujourd'hui là. Son ami intime là, c'est son ami de galère qui est toujours son ami. Vous comprenez? Vous comprenez, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux, Aedji, Buffy, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Vous comprenez? Elle dit, mais pourquoi elle ne veut pas? Mais si c'est forcé, si elle ne veut pas reconnaître que j'étais... On ne peut pas forcer. Aïe. Depuis qu'on force l'amitié. On ne peut pas forcer quelqu'un. Elle ne veut plus. Elle veut vous mettre aux oubliettes. Mais vous restez là où vous êtes. Vous faites votre vie. Tu vas dire que teigne. Comme chez nous, on dit teigne forcé. Pour me reconnaître. Ah non. Ah non. Donc vous tournez au ridicule. Oui, oui, je le dis, hein. Passez à autre chose, mesdames. Avec tout le respect. La reconnaissance est divine. Mais si quelqu'un dit qu'il ne reconnaît pas, tu vas dire que t'es il n'a qu'à reconnaître. Oh non, ne me dis. Elle dit qu'elle ne te connaît pas. Elle ne veut même pas te connaître. Elle ne veut pas même qu'on dise qu'elle t'a connu. Vous comprenez? Edo, To, Edo, merci. Et puis pour une fois, parce que le temps est beau. Le temps est beau. Et puis bon, je pique-nique un peu. C'est comme un pique-nique, hein. Ah, Phyllis Guedette. Oui. Ok. Mais c'est ça. Mais malheureusement. Merci, merci pour toutes ces étoiles. C'est malheureusement. Laissez-la, elle veut même pas. Elle veut pas. Ça dit que même quand elle parle, bon, on sent que bon, elle veut pas. Elle veut pas. Moi-même, je suis là. Souvent, des gens me reconnaissent sur les réseaux sociaux. J'ai une amie en France, Néné. Elle m'a envoyé le message, tout et tout. Mais écoute, je voyais pas son visage, tout. Bon, avec les teints qu'on arrange, tout ça. Mais c'est quand elle m'a dit son petit nom, Néné, j'ai dit, mais Néné, c'est toi, mais tu as changé. Vous comprenez? Merci beaucoup, Anima Akoto. Je fais attention pour ne pas que des personnes que j'ai connues par le passé, pour ne pas qu'elles disent, comme maintenant elle est connue, tout et tout, je fais attention à ça. Mais si la personne ne veut pas, elle veut plus.
elle ne veut pas. Vous comprenez, quand le statut change, malheureusement, les relations changent. Il y a des gens qui viennent se greffer. C'est partout. Même les stars américaines partout, ils sont confrontés aussi à ce problème. Vous comprenez, il y a une émission qu'on regarde sur I, là. Le fils de Maggie Johnson, là, qui est chose là. Il a ce problème-là dans son émission. Il y a des anciens amis qui étaient là. Il y a un nouveau ami qui est Aya Odile Kofi. Je vais te répondre. Il ne répond pas à l'immigration. La vie est belle. Laissez-moi y profiter du soleil. Actuellement, la vie est belle au Canada. La vie est trop belle. Oh. Le roi est parti chercher l'argent. Ils sont chez l'un pour la famille. La vie est belle, il va profiter. Oui, Rihanna a gardé ses amis. Vous comprenez? Mais le fils de Maggie Johnson dont je parle là, il est confronté à ça dans son émission. Je suis une télé-réalité avec que je suis là. Vous comprenez? Ses anciens amis disent que lui là, on ne sait pas d'où il vient, il n'était pas là avant, tout et tout. Ce qui fait qu'il est un peu embarrassé, il ne sait pas si l'autre est vraiment vrai. Donc, les stars sont confrontés parfois à ce problème-là. Mais mes chères soeurs, mes chères dames, si Yves ne veut même pas qu'on sache qu'elle vous a connu, mais faites-en autant. Et même si elle a mangé, vous plaît chez vous, elle a mangé, comment on appelle ça, nouveau riz au sauce arachide, cabato. Elle a mangé quoi? Oubliez là aussi. Peut-être c'est dans son milieu où elle est là-bas. Bon, elle veut pas. Il y a tout ça, ben, vous comprenez. Ah oui, Tunkara Mori, la vie est belle. La vie est belle. Vous voyez, non? Je suis trop heureuse, maman. Eh, là, bon. Vraiment. La vie est belle. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Olga, le deuxième verre que j'ai, c'est sur ça et sur. C'est fini. Je ne peux pas finir une bouteille de vin en direct là. J'ai fini là. Oui, les gens viennent dans nos vies pour une période. Et puis, il y a des relations qui vous marquent à vie. Il y a des relations qui vous marquent. Comme je vous ai parlé tout de suite de ma maman Nizako, Laurence. Lolo, comme je l'appelle maman Lolo. C'est une relation qui m'a marqué pour la vie. Et puis il y a des gens quand ils passent, bon, c'est tout. Passez à autre chose, mesdames. Donc, Ivy, tu n'es pas encore arrivé au sommet, maman. La vie est. Viens remplir les grandes salles ici. Tu viens remplir les grandes salles en Amérique, en France, partout. Il n'y a pas de bon petit spot, on passe et puis les Africains rient là-bas. Quoi. Ton humour va être international. Là, tu es arrivé au sommet. Mais sinon, quelqu'un va dire c'est arrivé au sommet. Il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé au sommet. Vous comprenez? Sommet de quoi? Faut laisser ça, maman. Faut laisser. C'est vrai, tu nous donnes du travail. Yolande Grajo, elle est. Souvent, c'est une micheuse. Hein? C'est une micheuse. Mais je préfère ce côté-là. Je préfère ce côté-là. Ouais, c'est ça. Quand c'est le week-end. Oh, merci beaucoup. Laissez-la à un moment donné aussi, laissez-la comme ça. Elle va pas vous prendre vous toutes comme ça pour dire qu'on était anciens. C'est pas club d'amis, elle a créé un club des anciennes amies. Elle n'a pas créé un club des anciennes amies. Claudia Tagbo, merci beaucoup Claudia Tagbo là. Comme ici, comme j'ai donné l'humoriste sénégalais ici là. Aïe, il dit que t'es un beau teint dehors. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Donc, laissons à faire de choses là. Le côté Zinon, tu as zaï. Tu as vraiment zaï. Il faut accepter. Actuellement, là, c'est Zinon qui est là. Zinon a souffert aussi. Zinon a souffert. Ah oui, oui, elle a souffert. Donc, c'est son temps qui est arrivé. Laisse-la, elle va profiter. Tout et tout. Oui, ma chérie, c'est la piscine qui est en arrière. Finalement, le roi, j'ai parlé jusqu'à la salive. Il a donné l'argent. Il a donné l'argent, il dit chérie, va payer la pompe là. Tu as dit à des impactés là-bas. Donc ça veut dire que d'ici la semaine prochaine, vous allez me voir dans la piscine. Je n'ai plus besoin d'attendre les 28 degrés, 30 degrés à Montréal parce que la piscine est chauffée désormais. Un pas de plus. On est parti, mes yeux brillaient encore sur le spa. Il m'a dit chérie, ça là, c'est pas aujourd'hui, il faut attendre.
Tu n'as pas dit que tu aimes les choses de choses. C'est pas là, c'est pas aujourd'hui. C'est ça qu'elle a. Ah mon dieu. Eh là encore, mes impactés aussi, ils aiment les choses comme ça. Mmh. 1580 étoiles, je vous dis merci, mes impactés. Je vous dis merci. C'est ce que vous aimez chez moi qui est fait là. Vous aimez ça. Oh, merci beaucoup. Oui, j'aime ça. Puis j'aime mon travail. J'aime mon travail beaucoup. Voici les quatre choses dans ma vie. Ma famille. Mon travail. Non, ma santé. Ma santé, je ne joue pas à ça. Santé, famille, travail. Et puis devinez la quatrième chose, c'est quoi? Ma citoyenneté canadienne. Ah oui, mon travail, je l'adore. J'aime mon travail. Parce que le Dieu que ce travail-là me donne, là, il dit, ça va, ça va. Actuellement, ça va, il faut reconnaître. Ah, Mounia, ça va. Et quand maman m'a dit, vraiment, Momo, vous connaissez les mamans, non? Quand tu as fait un programme pour elle, et puis tu lui donnes, quand elle a été appelée, la maison, là, il a mis de faire deux chambres, ça, l'autre, tata. Il dit, ah, maman, il faut combien? Elle dit, non, mais si tu as 500 000, ça perd. Elle dit, bon, c'est pas grave, je t'envoie au moins 1 million. Elle dit, Momo, depuis que tu as changé de travail, là, vraiment, tu t'occupes bien de moi. En tout cas, tu me donnais toujours, mais maintenant, là, tu me donnes beaucoup. Elle dit, maman, c'est le travail qui donne ça. La piscine de la gloire. J'ai dit, maman, c'est le travail, oh. Le travail des enfants, là, maman, ça paye bien, oh. C'est ça qui donne. Elle dit, Momo, donc tu m'envoies là comme ça. J'ai dit, ouais, c'est une homme, elle aime trop faire les problèmes. J'ai été divisé ça en deux. J'ai envoyé 500, après, j'ai envoyé 500. J'ai dit, quand la mère arrive, c'est les arts de la goût spéciale de ça. Merci pour les étoiles, le travail de la gloire. Maman, j'adore mon travail. Vous voyez, non? Qu'est-ce que je fais? Vous savez quand il va le mettre là. Je t'ai dit. Oui, Adaloa. Non, non, elle construit pas Adaloa. Maman, elle est à l'intérieur. Où elle a pris sa retraite là, c'est là-bas qu'elle construit. Non, elle a déjà sa maison, tout. C'est juste que maintenant là, elle veut construire, elle veut diviser ça. Vous comprenez? Non? Hey, je t'ai dit. Elle m'a dit, ah, Momo, depuis que tu as changé de travail, j'ai dit, maman, c'est le travail là-haut. Le travail est bon, il y a rien dedans. Et puis le gouvernement même nous a bien arrangé. Donc maintenant là, je pleure plus. D'après le roi, il dit, mamie, vous voyez, non? J'aime tellement mon travail. Voici mon équipement. Est-ce que vous voyez mon équipement derrière même? Mes impactés, attendez, je vais vous montrer. Voici mon équipement. Ah, c'est ça. Tout ça. Ça, c'est extérieur. La nounou universitaire. Voilà. Voilà ça qui est là. Vous voyez, non? C'est ça qui est là. C'est ça qui me donne à manger. Il respecte ça. Les bébés. C'est ça qui est là. Merci beaucoup. C'est ça. Oui. Ouais. Je suis partie pour chauffe-eau. Mes yeux brillaient sur le spa. Il dit que pardon. Pour prendre le chauffe-eau là. Tu as parlé de chauffe-eau. On te donne chauffe-eau. Tu t'en restes pas. Il dit spa là. Faut rêver de ça. Donc, c'est mon travail de la gloire. Surtout quand les enfants me disent Monique. J'en vais acheter beaucoup de camions, ils vont lutter les camions. Quand c'est comme ça, je suis assis. Mon travail est doux, c'est tellement doux. Ils sont en train de lutter les jouets. Monique, moi je veux ça. Je dis que ça là, je ne peux pas aller acheter deux. Donc, tu laisses quand il finit, tu prends. Ah oui, finalement, je fais comme au pays là-bas. Avec eux là, c'est comme ça. Je dis que, est-ce que quand tu es venu ici, tu étais venu avec le camion ici? Non, Monique, je dis donc, tu attends quand il finit, tu le prends. Tu le prends. Et la piscine faisait souffrir. Et quand les directs vont commencer? Ah oui, oui, avec les petits blancs, il faut faire un peu le côté du village là. Deux camions, vous voulez, vous êtes six, vous voulez lutter deux camions, et puis moi je vais devenir folle.
Ah oui, je leur ai dit, moi je vais durer dans ce travail-là, donc ne me rendez pas folle. Ah, je suis fière de ce travail-là. Là là. Travail qu'elle fait. J'ai dit au petit blanc, il a dit que moi je vais durer dans le travail-là. Hein? Deux camions de la même couleur, ils vont venir lutter le camion. Mais ça dit, les enfants sont terribles, quoi. Oui, ça c'est la blague, ça dit, on parle de tout. Il lutte, il y a un qui est le plus grand. Lui, il lutte tellement, ça dit le camion. Mais moi, quand je suis allée prendre les camions, la dame m'a dit, elle a des jumeaux. Ah oui, et puis, vous savez, tous mes jouets que je prends à l'extérieur, je les prends occasion. Hein. Ah oui, 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 je ne mets pas mon argent comme ça. Dans le... Je me prends toujours occasion. Je suis allée prendre les deux camions. Moi, je suis venue avec les camions sont pareils. Il y a un qui a dit que non, l'autre, c'est son camion. J'ai dit, mais pourquoi c'est ton camion? Oui, Monique, parce que moi, c'est mon camion. J'ai dit, mais c'est ton camion comment? Oui, mais parce que... Ok. Mais il reconnaît le camion parmi les deux autres. Moi, je suis là. Et puis, un jour, je lui ai dit que Charlie, mais pourquoi c'est ton camion? Il a fait, j'ai dit son nom. Non, les enfants sont... Les enfants? Non. J'ai dit, pourquoi c'est... Oui, mais parce que Monique... Et parce que... Il me fait ça. Parce que ici... Et puis il me montre, parce que ici c'est rose, c'est pas rouge. J'ai dit, mais en fait la maman a laissé ça sous le soleil. Elle avait oublié ça sous le soleil pendant, je sais pas, une semaine. Donc le rose là, le rouge avait déteint, c'est devenu rose. C'est pour ça que ce petit là luttait le camion. Jusqu'aujourd'hui, il est là-dessus. Moi aussi j'ai dit, bon, moi je vais durer dans mon travail, donc je vais pas vous suivre. Donc, c'est parce que le rose était là. Mais le rose, là, c'est pas ça a déteint, c'est devenu... Pour vous dire, l'amour des enfants. J'aime les enfants. Mmh. Je suis venu au Canada. Il a fait... Ce que vous faites est préposé. Il a fait entretien ménager. Il a fait tout. C'est le travail de ma vie qui est là, que j'adore. Mmh. Le monde des enfants. Pour vous dire que je vous aime. Merci beaucoup pour toutes ces étoiles. Merci. Bientôt, on va commencer la piscine. Ah, ils sont adorables. Ils sont adorables. Ils sont adorables. Ils sont... Mais je fais comme au village souvent là. Ça, son mari n'est pas menti. Est-ce que tu es venu ici avec un camion? Est-ce que ben, ici, c'est pas chez toi là? Ici, c'est chez Monique là. Parce qu'ils veulent. Lui, il est le chef bandit à la maison. Donc, il veut m'envoyer ça ici. Ah, non, 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 non. J'ai dit, ben ici, c'est pas chez toi, là. Maintenant, c'est lui qui dit au nouveau, ben ici, c'est chez Monique, là. Ici, c'est au service de garde, c'est pas chez toi, là. J'ai dit, ah, donc le message est passé. Vous comprenez? Il y a pas, ok, il y a pas, vu la vie. Surtout quand il dit ça aux autres, là, j'ai ri quand il... Ben Monique, parce que, et c'est lui qui dit aux autres, oui, ça c'est mon plus grand, hein. Il dit aux autres... Tu vas, parce que quand c'est comme ça, quand l'autre fait une bêtise, il y a un à la maison, là, ses parents m'ont dit. Donc je lui dis que tu vas aller dans le coin tout de suite, hein, tout de suite. Parce que quand je dis tout de suite, maintenant là, il sent que je ne suis pas content. Donc il court vite, vite, il va dans le coin. Et puis un matin, ici, je le vois. Tu vas dans le coin tout de suite. Je dis que qui va dans le coin? Ben oui, Monique, parce qu'il n'est pas sage, parce qu'il fait la crise. Je dis, est-ce que c'est toi le chef ici? Ah non, 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 tu ne lui dis pas d'aller dans le coin là. Mais quand... Le troupe d'opposition, je vous en parle. C'est l'ancien, il veut se pousser. Quand celui auquel j'ai dit tout de suite, ces deux jours-là, quand je lui dis tu vas dans le coin tout de suite, il me regarde pas. Là, il va dans le 3 ans maintenant, il commence à faire le troupe d'opposition. Et il veut. Et puis maintenant, quand je fonce sur lui, il va dans le coin. Mais quand le plus grand lui dit tout de suite, il se lève, il est en train de partir. Je suis obligée de dire au grand. Non, ils ont dit, c'est formidable. J'ai dit, mais pourquoi tu dis dans le... Oui, mais parce que Monique, il fait la crise. Et puis il me dit, je suis plus capable avec lui, là. Monique, je suis plus capable. J'ai dit, ben, t'es plus capable ici, c'est la garderie, là. Il faut que tu sois capable. Ouais, merci beaucoup, mes amis. Je vous aime, mes infacteurs. Merci, je vais vous laisser. Les bonnes choses ont une fée. Au revoir.